Un peu comment ça se passe. Donc moi, je m'attends à qu'il y ait 2 kills en survivant. Donc 2 survivants qui soient morts. Pour moi, je considérais que la game est équilibrée si ça se passe comme ça. Ah. Très bien. Nous avons Benny Boy. Benny Boy qui a choisi Vocation de l'infirmière, Terra hantée, Chi et Barbecue, Ruine, qui sont des très bonnes perks. Perks à information, une pour one shot, etc. Gardez le timing. Nous avons directement 2 personnes qui sont sur déjeuner. Faenas qui se balade, qui a pris pas envie. Pas envie, incroyable. Le beau jeu de la part Faenas. Nous avons un Borrow Time avec un Dédard lien. Et nous y arriverons. Et de l'autre côté, nous avons de la part de Kendris. Ok, évasion urbaine, Borrow Time, plusieurs Borrow Time, auto-soin et souple. Ok, nous avons directement le tueur qui est là sur Kendris. Oh là là, il se déplace direct, ça va être la tartine. Il a déjà passé sa P2, ça a été ultra rapide. Il a réussi à prendre bien l'information correctement. Ici, on a quoi? Souple, rapide et silencieux, Dédard de la place de Noob. Ok, Noob qui veut jouer le Brain. Noob, je pense qu'il est chaud pour directement faire courir le tueur. Parce qu'il se décale loin de l'autre côté de la map. Donc là, c'est la version de la map qui est séparée en deux. On a Soja Stream aussi qui est de l'autre côté. Ok, Kendris qui tombe en plein milieu. C'est une bonne nouvelle, une bonne et une mauvaise. Il y aura un crochet pas très loin. Ok, il va l'amener directement en haut, ce qui est plutôt pas mal. Un crochet aussi rapide, c'est plutôt cool. Ok, Noob qui veut prendre l'aggro, ça se voit. Il veut jouer un petit peu. Ok, on part directement. Il va le suivre. Il y avait quelqu'un d'autre. À mon avis, ils ont l'information, les deux autres, pour aller où comme un tranquille. Ok, le terrain hanté qui a été découvert. Alors là, ça va être très chaud parce que Baby Boy peut directement one-shot Noob. Noob, il va falloir courir, il va falloir qu'il claque les palettes. Ou en tout cas, je sais pas s'il va grid là-dessus sur les... Ouh, attendez, grid un peu. Oh, ça peut être compliqué là, peut-être la touche. Non, ça va être chaud. Il profite pour se feed un petit peu là-dessus. Ok, très bien. Il est feed au maximum. Quasiment à sa P3, ça va être parfait. Faenas pour le moment qui répare tranquillou. Soja Stream qui va les save. Ok, ils ont pris le temps. Benny Boy, la feinte au niveau du middle. Ça va être compliqué. Il a pas Banbouzeuil. Il peut pas couper, bloquer l'accès à la fenêtre. Ok, Noob qui était là. Ok, ça va être chaud, il va pouvoir prendre la fenêtre à mon avis. Non, il préfère se décaler vers la palette. Benny Boy qui prend un peu les murs. L'optimisation est assez moyenne. Là par contre, il a complètement foiré. Et vu qu'il y avait encore le terrain hanté, ça a été très greedy de leur part. Ok, il le récupère avant la palette, c'est très bien. Je crois que les autres sont très loin quand même d'eux. Pour le moment, Faenas qui est en train de réparer un générateur. Ils ont toujours pas trouvé le ruine. Ah, attendez, le ruine je crois. Non, le ruine qui a été trouvé par personne. Double qui a fini à la cave. Ok, le ruine qui a été trouvé par Soja Stream. Il est assez loin. Je sais pas si Benny Boy va arriver directement pour aller le chercher. Et bonsoir à tous les arrivants, excusez-moi. Ça va être compliqué de vous lire le chat. Je suis désolé, hein. Mais sachez que je pense à vous. Ok, Benny Boy qui a directement l'information. Le terrain hanté n'est plus viable. Soja Stream, petite feinte. Ok, ça loupe, il la gère plus ou moins. On voit Benny Boy qui essaye de feinter un petit hit là-dessus en gagnant en plus la palette. C'est excellent. Surtout que cette palette est assez proche de la loupe de la cabane. Alors la fenêtre est devant. C'est une bonne génération de map en fait pour Benny Boy. Il a eu de la chance là-dessus. Ça aurait pu très mal se passer. Je crois qu'il y avait Faenas qui était en coin. Elle est blessée. Oh là 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 là, Faenas qui a complètement grid là-dessus. Il y avait le tueur à côté, il aurait vraiment dû décaler avec un pas en vie. On essaye quand même d'éviter de faire du close combat avec le tueur. Ça peut très mal se passer. Ok, très bien. Tout le monde est en train de se heal là-bas. Faenas qui a été accroché. Lui, il va arriver directement. Benny Boy, je crois qu'il a l'information. Ouais, il a à peu près l'information. Il a vu quelqu'un passer sur le côté. Est-ce qu'il l'a vu? Il l'a vu Kendris? Ouais, je suppose qu'il l'a vu. Peut-être qu'il feinte. Ouais, il feintait. Ah, c'était très bien joué. Faire semblant de ne pas l'avoir vu. Et là, c'est la P3 qui a été déclenchée directement. Il va tomber. Là, il y a un mauvais timing. Là, pour les survivants, c'est très mauvais timing. Il y a une personne accrochée, une autre qui va se faire accrocher. Et deux qui étaient aux fraises des bois. Noob a réussi à directement décaler. Et c'est plutôt pas mal. Il gagne du temps là-dessus. Il faut quand même qu'il se précipite un peu pour les générateurs. Soja qui est là, Soja qui vient de se faire spot. Alors là c'est très mauvais parce que si Soja tombe à côté de son mate, ça pue le sexe hein. Ça pue le sexe clairement. Ah là là, il a hésité. Soja a complètement hésité là-dessus. On l'a vu, Benny qui était passé d'un côté pour le feinter. Soja s'était peut-être dit qu'il avait le temps de loop, au moins de faire une loop. Et finalement il n'a pas du tout gagné de temps.
Et on a vu qu'il a accroché, il a hésité pour la palette, il a hésité à partir, puis est revenu sur la palette. Ça a été l'erreur, ça a été le one-shot là-dessus. Faut faire vraiment gaffe, hein. Quand vous êtes contre un personnage qui peut one-shot, surtout comme un Myers, ça peut aller très vite. Noob qui tombe directement. Oh là 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 là. Oh, ça se passe mal, là. Deux personnes hook, plus une personne qui va se hook derrière. Oh, c'est chaud patate. Kendrys qui est toujours sur le hook, Kendrys qui vient de se faire save. Là, ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps de se soigner. Faut vraiment aller chercher la personne qui est hook. Sinon ils peuvent tous rip là-dessus. En tout cas, Faenas, beau jeu quand même, le pas en vie. Mais c'est vrai que ça peut faire très mal, hein. Après, contre un Myers P3, des fois, on peut se dire que c'est presque la même chose. Mais bon. Kendrys, ok, qui se déplace. Benny Boy qui a l'information sur Kendrys. Kendrys, où est-ce qu'il va aller? D'ailleurs, est-ce que la palette de la cabane est tombée? On n'en sait rien. Non, la palette est toujours là. Kendrys qui attend juste derrière, ce qui est une grosse erreur. Grosse erreur de Kendrys. Oh là, il sous-estime. Il sous-estime un petit peu mon poulain de tueur là. Là, je l'aurais sélectionné. C'était pas un tueur non plus. C'était pas le premier clodo du coin. Je l'aurais sélectionné un vrai tueur. Et là, à Kendrys, il s'est dit gros lapin, je peux attendre là-dessous. Non, 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 non. Non, 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 non. Ah, petite feinte, Kendrys qui meurt là-dessus. Ça va être compliqué maintenant, ils sont plus que 3. Le prochain qui va se hook, ça va compliquer énormément le timing. Ok, le ruine qui tombe enfin. D'ailleurs, Soja, il a été vachement long, non, pour le ruine. Il était déjà tout à l'heure dessus, je sais pas pourquoi il l'a fait directement. Pourquoi il ne l'a pas fait directement, ça aurait été une grosse économie d'énergie. Ok, intéressant. Moi, je pensais vraiment que les survivants allaient bien mieux... Enfin, elle est bien plus cassée que ça. Après, c'est compliqué, hein. Tout n'est pas perdu. Là, ils sont deux à faire les générateurs. On a Noob qui est en chase. Noob qui doit être le plus confiant là-dessus et sur cette chase. Malheureusement, il n'y a plus de palette ici. Oh, il a bientôt sa P3. Ça va être chaud patate, hein. Ok, là, il pouvait pas charger sa P3 en même temps, le hit avant la fenêtre. Donc, c'était plutôt bien joué. Il a regardé quand même s'il était parti de ce côté-là. Non, toutes les traces semblent porter. Ok. Ok, il va tourner là-dessus. Ok, Noob, très très bien. Hein. Non, par contre, ça, c'est une grosse... Ah, ok, il a une autre palette ici. Il va switch entre les deux palettes, Noob. Et ça, c'est très bien joué, clairement. Là, il faut qu'il baisse la palette, voilà. Parce qu'en gros, il a passé sa Bloodlust. Du coup, il réinitialise la Bloodlust en forçant le tueur à casser la palette. Il va pouvoir reprendre un petit peu, voilà, du temps, etc. Il va pouvoir loop là-dessus et il va pouvoir aller chercher la palette. Noob, là, qui fait un énorme travail. Hein. Un énorme travail pour son équipe. On va regarder un petit peu... Ok, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Faenas qui vient de finir un générateur. Soja qui va bientôt finir aussi. Ok, Noob fait encore gagner du temps. Hein. Noob, vous voyez là. Ouh! Pourtant, il avait fait une erreur. Et il n'a pas réussi à en profiter, non? Oh, nice! Ok, nice. Très bien joué. Il aurait pu brain aussi là-dessus. Non, mais c'était même mieux, en fait, le mouvement qu'a fait Benny Boy là-dessus. Ok, il gagne un hook là-dessus, mais c'est compliqué. Hein, comparé à tous les autres hooks qu'il a eu. Par contre... Noob était en P3. Du coup, c'est la mort du joueur français. Il reste deux générateurs. La trappe à pop. Oui, la trappe à pop. Enfin, va pop, là, la mort de la personne. Ok, il a save quelques palettes. Il se prend un hit et il baisse la palette derrière. Il perd un peu de temps. Ok, il n'était pas obligé de casser cette palette, Benny Boy. Il aurait pu directement décaler sur le côté pour aller chercher Soja afin qu'il évite de prendre trop de distance. Soja va essayer de le brain un petit peu au middle. Il y a plusieurs doubles fenêtres. Il y a souvent plusieurs fenêtres et plusieurs doubles fenêtres, pardon, et de jungle gym. On va voir un petit peu. Soja qui repart là-bas. Benny Boy qui va feinter. Oh, c'était bien joué. Soja avait prévu le coup. Ok. Il avait directement décalé. Il l'a vu. Il passe la fenêtre, ok, sans déboussoler, c'est un peu bizarre. Oh, il aurait pu, il n'était pas obligé, hein. Il aurait pu reprendre la fenêtre directement. Il a quand même préféré claquer la palette, il sait que lui, s'il tombe, c'est un peu la fin. Faenas qui va finir, un autre générateur en attendant. Soja Stream qui va tomber là-dessus. Il a complètement foiré la fenêtre, c'était un peu dommage. Je pense qu'il regardait derrière, le stress fait qu'eux aussi. Ils sont plus que deux et c'est compliqué pour eux. Je sais pas, il est en quelle phase d'ailleurs. D'ailleurs, Soja, on va très vite le savoir. S'il était en P2 ou en P3. Il était en P2, il y a toujours moyen d'eux. Bon, ils vont jouer beau jeu. Ça m'étonnerait que Benny reste à côté. Benny va décaler. Est-ce qu'il a information sur Faenas? C'est pas sûr. Elle est derrière ce mur-là, mais lui, il ne le sait pas. Il va décaler directement aller voir le générateur. Voilà, il est passé juste à côté. Faenas aura le temps de le déhook. Il reste qu'un seul générateur à faire, n'empêche. Et ils ont bien rattrapé la game. Hein. Noob a fait gagner pas mal de temps. Ça a été compliqué à mort Kendrys, mais finalement, ils se sont bien rattrapés.
Là maintenant que Noob et Bor, ça va être chaud pour eux, ça va être chaud. On va voir s'ils arrivent à bien sneaker. Ah par contre oui, la grid de ce heal, c'était peut-être pas forcément la meilleure des idées, sachant que c'est un Myers, et que Myers il a peut-être farm sa P3 déjà. Donc c'est compliqué, alors là il sait qu'il a pas besoin de sa P3, et ouais. Faenas, d'ailleurs c'est bizarre, Faenas joue pas des dards avec son build pas en vie. Ok d'accord. C'est très très greedy hein. Généralement on préfère quand même jouer un dédarn, ce qui peut rattraper au moins une erreur de déplacement. Là et là zéro moyen de se rattraper. Est-ce qu'il a une information sur Soja? Apparemment non. Ok, il va décaler directement. Je pense qu'il va faire le tour des générateurs. Ouais tranquille. Ah il savait qu'il était dans le coin. Ok, il laisse un petit peu le temps pour se décrocher tout ça. Ah, trop de pression, bien sûr, trop de pression. Et yo, Nekheim. Incroyable. Ok, il a vu Faenas se décale. Il a vu les traces de Soja stream. Il va directement partir sur Soja. Faenas qui aura peut-être le temps de finir le dernier générateur. Ça va dépendre combien de temps Soja peut faire gagner sur sa loupe. Il faut qu'il tourne. Faut qu'il tourne autour du bâtiment, là. Faut qu'il se bouge. Faut qu'il optimise son déplacement. Voilà, c'est très important d'optimiser son déplacement pour éviter justement de perdre trop de temps là-dessus. Est-ce qu'il aura le temps de prendre la fenêtre? Je sais pas. Ah, oh, ça va être chaud, hein. Ça va être vraiment, vraiment chaud. Est-ce qu'il a le temps de farm sa P3? Ok, il a même pas choisi de prendre ça. Oh, très belle forme de la fenêtre, par contre. Mais là, là, c'est le down là-dessus. Faenas, moitié de son gêné. Elle devrait essayer de continuer. Est-ce qu'elle va aller chercher la trappe directement? Peut-être qu'elle va aller chercher la trappe. En tout cas, elle sait qu'elle est en P3 maintenant. C'est vrai qu'il y a chez barbecue. Là, est-ce qu'elle se doute du chez barbecue? Est-ce qu'elle va feinter le chez barbecue? Elle se déplace d'un côté pour le moment. 4 secondes. Ok, elle feinte pas le chez barbecue. Elle continue la même, le même endroit. Ah, d'ailleurs, on a vu la trappe qui était sous les pieds de Soja Stream. Elle doit le savoir, puisqu'elle a peut-être l'information là-dessus. Ok, la palette qui a été calée. Il va casser la palette, elle tournait derrière. C'est un tueur qui casse beaucoup les palettes, hein, Soja. Oh là là, avec le souple, va-t-elle y arriver? Je pense que oui, je pense que oui, elle peut le faire. Elle peut aller choper la trappe qui est juste en dessous. Nice. Bien joué, en tout cas. Magnifique. Ok, je m'attendais pas à ça, Benny Boy qui a fait une partie exceptionnelle. Noob aussi, très très bonne game, tout ça. Ça a été compliqué pour eux au début, c'est vraiment parti en sucette. Alors c'est très drôle cette offrande, je m'en doute un petit peu. Putain, GG à eux en tout cas. C'était beau. Ah, c'était beau. Hein. Ah, attendez, on va revenir avec eux directement. Incroyable du cul, putain. Bonsoir. Et rebonsoir à tous. Aïe, 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 cette game, ah, putain. Ah, c'était beau, hein. Alors, je t'ai vu, Benny Boy, au début, tu tremblais un peu, quand même, hein. Au début, t'étais pas serein. J'ai vu que tu faisais un peu des petits à-coups comme ça, là. T'étais pas solide sur les appuis, hein. Et puis, ouais. ça a failli rip, là, hein. Tout a failli basculer, hein. Quand j'ai vu les deux hooks plus le make-down, là, je me suis dit, oula, c'est chaud pour leur cul, quand même. Mais ça s'est bien rattrapé. Ouais, ils sont bien rattrapés. Ok, c'est intéressant. En vrai, c'est intéressant. Vous êtes tous les deux avec nous là, du coup. Il y a Benny aussi, ouais. Ouais, il y a Benny ouais, aussi. Benny, GG à la fin, quand tu accroches, qu'on est plus que deux, tu me vois pas avec le chili, donc tu sais que je suis là et tu pars quand même. C'est beau jeu, je tenais à le souligner. C'est beau jeu. Oui. Ou en plus, comme il y avait un jeu d'avance. Oui, bon. Merci à toi, Scroik, pour le follow et bienvenue à toi. Merci. Aïe, non mais attendez, parce que là moi je suis encore, voilà, je suis encore en post-analyse, voilà, en post-analyse okay. De la game, j'étudie un peu pour voir qu'est-ce que je dois faire pour équilibrer ça, est-ce qu'il y a quelque chose à faire. En vrai c'était bien, mais Noob, j'ai vu, t'as peut-être pas pris l'aggro assez rapidement, le runner de l'équipe, l'as senti, hein. Parce qu'après, quand t'as repris l'aggro, là, c'était plutôt pas mal. Hein. T'as laissé beaucoup de répit à ta team. En fait, t'as tempo de ouf. Hein, à un moment, Benny, il a tapé. Je savais pas s'il avait fait exprès de taper sur le décor ou pas. Et donc, du coup, j'ai des dards. Non, ouais, j'ai vu. C'était pas voulu. Instinctivement, j'ai des dards et ça m'a tout niqué, en fait. Mais je pense qu'il touchait. Normalement, en vrai, en plus, il avait pas touché le décor. Je pense qu'il touchait avant ton dédard. Je suis pas sûr. Peut-être, ouais. Ah, il me semble pas se tomber d'armes, il a été déclenché après. Tout dépend s'il avait bien pré-shot le coup charge ou quoi, mais c'est vrai que. Après, durant cette phase-là, ouais, j'ai essayé de faire des fake reverse et tout pour essayer de choper et pas juste de run tout droit.
Ouais, j'ai essayé de tenter des trucs, c'est pour ça que j'ai beaucoup de choc aussi à certains moments. Mais... Non, c'était voilà. Pas mal. Au final, j'ai fait très peu de moonwalk et tout. J'en ai fait genre un à la cabane, je crois. Je sais plus si c'était. Mais. C'est. J'ai pas. Voilà. C'était pas mal, c'était pas mal. Alors, Faenas, elle a complètement pris au mot le beau jeu, hein, clairement. On a vu avec le pas en vie là. Franchement, quand j'ai vu pas en vie, mais surtout sans dédarde, je me suis dit quand même, c'est ballsy, tu vois. Genre ouais, là, il y avait des, y avait les couilles sur la table. Elle avait souple, c'est ça ? Elle avait souple, non ? Ouais, elle avait souple. Ouais, voilà. Mais d'ailleurs, ouais, c'est ce qui lui a permis à la fin de choper la trappe. Hein. Sans ouais, ça, ouais. Elle aurait jamais eu la trappe. Hein. Franchement, je me suis dit, putain. Ah, cette game sauvée par le souple. Incroyable en tout cas, Sir Kendris, merci beaucoup. Pour les 2 mois, gros, merci pour l'argent, non, putain. Ah, c'est beau. Ah, oh, désolé, j'ai. Ah, Sir Kendry, je te remercie pour ton sub. Incroyable. Pas de soucis, avec plaisir. Ah, c'est beau, Patrick, c'est beau. Ok. Je sub vraiment avec ces émotes de merde. Alors. En fait, j'ai sub il y a quelques jours, c'est juste que je l'avais pas partagé en fait. C'est trop tard. Oh non, mais mes emotes. Non, mais j'y peux rien, je recherche. Je suis encore en quête d'inspiration pour mes emotes.